Ryan Earth qui vient des losers, qui va donc devoir reset. C'est-à-dire qu'il doit gagner 3 matchs, puis encore 3 matchs. Exact. Pour être déclaré vainqueur de ce tournoi. Et tout ça sous les yeux de notre ami Kalinda et Chibitox, de nos amis Kalinda et Chibitox. Allez, ça promet du grand spectacle, faites du bruit! Finale internationale, Angleterre-Japon. Vous pourrez dire que vous y étiez, ça s'est passé au Stunfest et ça se passe tout de suite en live. Akira contre Kage, Kage contre Akira. Allez, ça commence et ça commence direct, voilà, passage dans le dos, dragon écrasement, mid-bar pour Ryan qui impose son style. Très belle esquive, voilà. Allez, c'est parti. Allez, le ah, c'est attention, la punition elle est instantanée là. Le mur. Là, tu t'as pas le droit de rater. Attention, là, des chopes. C'est bien vu ça. Et le petit dégât de mur en bonus. En bonus. Et c'est parti pour Kamui qui remporte ce premier round. Le bas point. Allez, très belle esquive. Allez, on délaie bien ça. Tâtonne la garde. Voilà, très bien le juggle. Rentabilisé. Coup de coude. Et la chope. Chope classique. Attention le mid. Et Kamui qui renvoie son adversaire au sol. Et le combo derrière bien sûr. Le wake up game intelligent. C'était la chope. C'était pas forcément le choix qu'il fallait faire. Mais bon, c'est pas grave. Kamui qui reste solide sur ses bases. L'ouverture de garde. Le combo très propre. Très très propre. Et on optimise le wall spec. Non, ça passera pas. Et encore une fois, c'est la pression ultime. La pression Kamui. Le Kamui express. Excellent. C'est du roulage. Kamui qui vient de rouler sur Ryan Earth, déjà 3 perfects en phase finale. Et apparemment c'est pas fini. Voilà, parfait. Et encore et encore. Et ça rate pas. Et ça rate pas. C'est un rouleau compresseur. C'est ça. Qui défile sur le ring. Magnétique shockwave. Kamui qui a activé le X-Factor. Va-t-elle réussir à le conserver longtemps? Avantage psychologique. Deuxième match. Et ça taunte. Dans un ring ouvert. Et ça taunte. Allez, quelle va être la nouvelle ambiance? Ce fameux niveau de Dural que tout le monde redoute avec le radeau, le fameux voilà, radeau. Très bien la punition après la garde, bien joué. Le mid, le délai super. au cas où. Il y a une petite erreur. Pas point en contre. Délai anti-step. Cherche un petit peu. Et on essaye d'ouvrir, on essaye de pousser, on essaye de pousser. Ryan qui se décale quand même, il est pas bête. Il a compris le mytho tout à l'heure. Mis à part cette fois-ci, il n'y a plus de mur. Donc faut faire gaffe. Voilà, ça presse. Hey. Et on pousse. Ça coupe et décalé. Et hop, ça regout encore. La pelouse. C'est un mur. Kamui qui presse à coup de coude uniquement, qui joue extrêmement bien, qui tente des pressings de coups uniques, voilà, attaque le palm 2 fois de suite, et hop, et on pousse. Tu pousses et ça mousse, mais ça ne sent pas malheureusement pour la lavande pour Ryan, qui perd 3 rounds à 0, et qui se fait mener complètement par Kamui, et c'est peut-être le dernier match. C'est peut-être... Allez. Et c'est peut-être la balle de match, mon cher Mickey, il faut le dire. Oui. Puisqu'il y a 2 matchs de gagner pour Kamui. Voilà, si des gens sont pour Ryan Earth ici, qui se manifestent maintenant et tout de suite. Allez, il peut le faire. Ah, il y a des gens pour l'Angleterre qui sont là. Malheureusement. Voilà, la chope, très bien joué. Et c'est tout à ton honneur. Allez. Ryan Earth, très bon joueur, la déchope. C'est bien joué, voilà. Oh, puis il a vu. Check, super, la chope. Écrasement. Le mid. Voilà, c'est bien vu. Et voilà. Ryan Earth qui doutait jusqu'à présent, qui ça avait se passe par là, comme dirait l'autre. Ah, le stagger, c'est bien redressé, ça. C'est le ça. Coup de coude. Et le pressing qui marche au moins, voilà, tout à coup. C'est bien. Ryan Earth qui, voilà, super, la punition. Qui a ouvert les yeux. Ryan Earth qui se concentre, qui ne veut pas rater cette chance ultime de reset. La chope. Et la chope. Allez, plus qu'un coup. Attention, le délai, c'est pas vu, le lot. Le même que la dernière fois. C'était la meilleure option, mon cher Mickey Way. Tout à fait. Il a ouvert les yeux. Allez. Sa Cosmo Energy est à son maximum. Allez, voilà, allez. Il est serein, les 8. Voilà la chope, bien joué. Attention, Ryan Earth qui se balade. Le stagger, bien redressé. Ça revient, Kamui. C'est pas grave, tu peux revenir, c'est pas fini. Allez, l'ouverture de garde. Hey. Et ça va complètement tuer.
Oh là là, attention, le sidestep. Voilà, bien beau joli. Il a joué un sidestep. Super. Et ça encore une fois, ça juggle, mais tellement, tellement bien du côté de Shikamori. Ryan Hart qui se laisse pas déconcenser, mais quand même, tout de même, là, il y a quand même une leçon, comme dirait notre ami. Encore un. Notre ami Waldo, en train de jouer à Street. Et là, pendant ce temps, ça jamais encore, c'est reparti, c'est une combo vidéo. Attention, le low qui fait mal, le counter, le jab qui passe pas, le coup de coude, encore une fois, punition, le palm. Allez. Attention, Ragan fait gaffe, et c'est terminé. C'est une victoire féminine de Kamui, qui est venu, qui a vu, et qui aura vaincu. Qui lui a laissé aucune chance. Kamui donc, championne de ce Stunfest, Vitra Fighter. Kamui qui vient féliciter son adversaire. Et c'est fair play, comme vous le voyez, toujours dans la communauté VF. Hein, on rigole jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'on va avoir la remise de l'eau maintenant? Comment ça va se passer? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un? Malek, peut-être Malek. Alors, on va commencer par la remise des lots. Ok. Quelqu'un pour la remise des lots. S'il vous plaît, quelqu'un pour la remise des lots. C'est Mickey qui va s'y coller. On est multitâche. C'est pour Kamui. Kamui, s'il te plaît. Congratulations. Et c'est pas tout, bien sûr. Ah ben c'est pas tout. Non, c'est que elle, si c'était tout. Et donc tu remportes. Alors on va regarder un petit peu. Et Ryan aussi. Ryan il discute. Il est dans son match encore. Il est. Congratulations. Et pour le troisième. Le dernier mais pas des moindres. Félicitations. Notre joueur français chez 8ox. Et on les applaudit bien fort. On fait un maximum tous de bruit. Les trois. Il le mérite. Voilà, ils vont donc quitter la scène sous un tonnerre d'applaudissements une nouvelle fois, s'il vous plaît, pour les finalistes de Virtua Fighter Final Showdown, Kamui Ryan Hart.